Alors, je pense que depuis le début du département d'anthropologie, le département d'anthropologie de l'Université de Montréal a été fondé sur le principe de l'américanisme, c'est-à-dire la présence de cette école qui s'est développée aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud aussi, qui conçoit l'étude des sociétés avec ses diverses dimensions qui sont d'ordre matériel, culture matérielle pour l'archéologie, qui sont d'ordre linguistique, d'ordre biologique et physique et d'ordre social et culturel. Et donc, c'est là-dedans que j'ai été formée et pour moi, c'était particulièrement satisfaisant, sauf que le département d'anthropologie, autant comme quand j'y étais étudiante que depuis ce temps-là, était aussi un département qui faisait un peu la charnière entre l'Europe, où cette tradition américaniste était très peu développée, et à cette époque-là, parce qu'elle l'est plus maintenant, et la tradition américaine, américaniste, avec les anthropologues. Alors, quand je suis arrivé, par exemple, vous aviez des gens comme Guy Dubreuil, qui avait été formé à Columbia. Il y avait des gens comme Hassan Valixi, qui avait été formé, je ne me souviens pas où, mais enfin, certainement dans les Amériques. Il y avait Jean Benoît qui était parmi les Français, Paul Tolstoï qui était lui aussi du côté des Amériques. Et je me souviens pas, du début, il n'y avait probablement pas beaucoup plus de monde que ça. Lionel Valley qui est arrivé un petit peu plus tard et qui lui était de Cornell ou quelque chose comme ça. Bon, dans les tout premiers, c'était ça. Donc on avait déjà cette contribution de la pensée française et de l'autre côté tout le versant américaniste et américain cette tradition s'est maintenue jusqu'à ce jour tant par l'origine et même la langue de certains des professeurs que par leur orientation théorique. Et je trouve que ça donne une richesse incommensurable, enfin, une très, très grande énergie au développement et aux recherches qui sont faites en anthropologie. Il y a aussi, à l'intérieur de ça, et à cause des intérêts de recherche de certains des profs, eu un courant qui nous amenait aussi vers l'Amérique centrale, Mexique centrale et Amérique du Sud. Et en ce sens-là, c'est un courant qui est un petit peu différent. C'est de l'anthropologie, c'est ce qu'on enseigne dans ces régions-là, sauf que les thèmes de recherche, les approches théoriques sont quand même un peu différentes. Ce serait peut-être un peu voir le Mexique, par exemple, comme étant la même chose que nous par rapport à l'Europe et l'américanisme. C'est-à-dire que les Mexicains sont également en rapport avec les traditions européennes autant qu'avec les traditions américanistes, ce qui est assez intéressant. Alors, cet aspect-là, ça fait plus partie de mon expérience que de celle de la majorité des collègues, mais la richesse et de cette combinaison d'influences est assez satisfaisante. Par rapport à ça, je pense que mes intérêts de recherche ont sûrement été influencés par cette double ou triple alliance, si vous voulez. Alors, je sais pas par quoi commencer, si je vais parler de tous mes intérêts de recherche. Je dirais que je vais commencer quand même avec le début, parce que la première
mon premier amour et un amour qui s'est maintenu avec des arrêts et des reprises reste quand même la première civilisation ou encore la civilisation olmèque ou encore le système de représentation olmèque. C'est-à-dire que pour faire une histoire courte, je pense que je l'ai dit déjà assez souvent, puis je vais pas faire un cours d'histoire là, c'est que ce style d'art qu'on a vu représenter avec des figurines, avec des statues, avec de l'art monumental, avec etc. C'est un système qui, pour la première fois dans l'histoire de la Mésoamérique, va avoir un contenu symbolique et pas un contenu décoratif. C'est vraiment un système dans lequel il y a des représentations d'individus, d'êtres, où il y a une logique, une rigueur, presque une lecture, qui codifie pour la première fois une représentation du monde et une place accordée aux éléments surnaturels, naturels et humains dans cette cosmogonie. Le problème qui s'est toujours posé, c'était celui de savoir comment il s'était développé, comment il s'était distribué à travers la Mésoamérique. Et donc, à partir de mes premiers travaux avec Paul Tolstoï jusqu'à ma thèse et ensuite des écrits que j'ai repris, où je resongeais ou repensais au développement de cette civilisation, c'est un intérêt qui m'a toujours soutenu. L'apport que j'ai fait à ce sujet-là, c'est celui d'avoir pu dater et contextualiser la présence olmèque au Guerrero et de pouvoir dire que c'était une présence qui était intégrée à une culture locale, à une tradition locale et qu'elle répondait sans doute à des visées idéologique des visées politiques. C'est-à-dire que dans O Guerrero, on sait maintenant qu'à cette époque-là, à l'époque de la première civilisation olmèque, c'est-à-dire aux alentours de 1200 avant l'ère commune, c'était une région qui était constituée de petites sous-régions, mais où il y avait un site qui s'appelle Teopan-Tecuanitlan, qui avait développé un certain attrait, qui est un site, c'est certainement une ville, c'est avec de la sculpture, etc., monumentale, très dans le style olmèque, et qui probablement était une seigneurie ou quelque chose du genre qui dominait certains des sites de la région, dont ma région où j'avais travaillé. Et que dans ce site, il y avait donc une culture qui était encore une fois une tradition totalement locale du Guerrero, et également quelques signes qui indiquaient que les valeurs idéologiques, pour les appeler comme ça, ou religieuses, étaient celles du système symbolique olmèque, codifié et était donc partagé de façon différente. Dans la région où je travaillais, c'était plus dans les cultes domestiques, c'était dans cet ordre-là, alors que là-bas, c'était plutôt la langue des riches et des gens de pouvoir qui, eux, étaient sans doute en relation avec les autres capitales régionales du monde olmèque. Alors j'ai écrit là-dessus beaucoup et écrit finalement que un des aspects et essayer de voir la place qu'occupait la région où je travaillais, donc le Guerrero, dans cet espace de la civilisation olmèque.
Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis particulièrement intéressée à ce qu'on appelle les constructions immobilières, si vous voulez, la monumentalité, tout ce qui représente un effort de construction et d'élaboration, tant pour des raisons utiles, par exemple des systèmes hydrauliques ou des trucs comme celle-là, ou pour des raisons qui sont plus idéologiques ou politiques, comme la construction d'édifices, de sculptures monumentales, etc., etc., etc. Et donc, d'essayer de voir justement le rôle que pouvait jouer cette monumentalité dans le développement des premières sociétés complexes et plus particulièrement de ces sociétés de la civilisation Olmèque. Et donc, il est certain que c'est un des aspects les plus, disons, visibles pour comprendre la complexification des sociétés. Et donc, elle est manifeste autant dans la région du Veracruz-Tabasco qu'elle l'est dans d'autres régions de la Mésoamérique où on a des capitales régionales avec de la monumentalité. Mais on a maintenant quelques évidences, quelques indices, disons, pour que le fait que à San Lorenzo, on ait une antécédence, c'est-à-dire que cette monumentalité précède les autres régions. Ce qui nous amène à penser, ce qui m'a amené à penser en tout cas, que le développement de ce système symbolique, cette codification, était sans doute une réponse ou une raison pour le développement de la société de San Lorenzo, mais que les sociétés, les autres régions, ont participé quand même à l'élaboration de ce système dans les siècles qui ont précédé, tout simplement parce qu'ils étaient en relation, puis que quand on se trouve en rapport économique ou simplement de passer le soir au coin du feu, qu'on parle de ses peurs ou qu'on parle de la nature, etc., que ces échanges ont dû être importants dans l'élaboration et surtout dans la codification, dans l'élaboration du système. Ça, c'est pas un. On finit avec ça. J'espère qu'un jour, on aura une réponse, mais c'est ça. Le deuxième, je dirais encore pour rester plus dans l'archéologie, c'est quand même toute cette travail qui s'est fait autour des 8 saisons ou 10 saisons de terrain que j'ai fait dans la région Mezcala au Guerrero et qui tourne autour de l'idée de comprendre la tradition lapidaire, on devrait l'appeler comme ça, une tradition lapidaire de production de petits objets de pierre et polis qui existe et est connu dans la région depuis certainement la civilisation olmèque, c'est-à-dire depuis certainement 1000 avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, les objets en question avaient représentaient le style olmèque, pour ensuite être remplacés par des époques où ces objets ont été plus des objets locaux. De genre le style Mescalla, il y en a un autre sous Mpango, puis il y en a un autre sous Tepec. Et pour ensuite, à l'époque de Teotihuacan, on trouve quelques exemples de style de Teotihuacan, toujours dans cette tradition lapidaire. Là, il y a des trous, parce qu'on n'a pas toujours trouvé on n'a pas pu dater les traditions locales. Mais par contre, on retrouve ce style Mescala ailleurs dans la région et ailleurs en Mésoamérique au Templo Mayor, à Tenochtitlan, c'est-à-dire chez les Aztèques. Donc c'était le but c'était un intérêt qui s'est matérialisé par l'étude de la région, par la découverte des figurines et des petits masques et même d'un petit singe à Winawak. Pardon. Et ensuite, le fait que dans d'autres
projet est aussi trouvé et plus contextualisé. Ça nous a permis donc de bien pouvoir mieux comprendre que ces objets étaient généralement des objets qu'on retrouvait et qui servaient dans le rituel pour dédier des nouveaux édifices. On ne les a pas retrouvés dans un enterrement, mais c'est possible qu'ils soient aussi des offrandes que dans le mobilier funéraire, on ne sait pas trop. Alors, c'est là, en peu de mots, ce que l'on a fait pendant à peu près 15 ans, qui a permis de produire plusieurs articles et plusieurs mémoires et thèses de maîtrise et de doctorat. Un thème qui m'a toujours intéressé, et je pense que ça, en Mésoamérique en général, ce sont les certaines pratiques, culturelles, et leur relation avec le social et leur relation avec le politique et avec l'idéologique aussi. Et pour ne pas le dire, celle qui m'a le plus attirée, parce qu'elle est sans doute celle qui nous paraît le plus éloignée de notre pensée occidentale, c'est les pratiques sacrificielles, c'est la pratique, l'idéologie du sacrifice. Au départ, ça me semblait plus sanguinaire, ça me semblait plus... c'était une pratique qui me posait un petit peu problème. L'idéologie du sacrifice, finalement, c'est quand même pas propre au Mexique. On sait maintenant que ça fait partie de à peu près toutes les sociétés où se sont développées des sociétés complexes. C'est un peu difficile d'en savoir l'origine. Il n'y a pas de grande civilisation comme Chine, Égypte, Mésopotamie, Pérou, Amérindine, Mésoamérique, etc., où il n'y a pas eu de pratique sacrificielle sur les humains. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est associé avec le développement des sociétés complexes? On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est le cas. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ou de me remettre l'esprit de la culture mésoaméricaine et d'essayer de comprendre comment et pourquoi ces pratiques se sont développées. Pour la société aztèque, et qui était une société extrêmement hiérarchisée, extrêmement rigide, qui avait une mobilité au début, mais qui au bout était extrêmement... il est évident que c'est un des exemples les plus merveilleux d'une justification idéologique pour des fins politiques. Et quand on parle de la guerre sainte et quand on parle de pratiques comme celle-là, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que la justification était effectivement idéologique, c'était pour permettre au soleil de continuer sa route, c'était pour permettre à l'univers de fonctionner, tout simplement parce que la naissance du dernier soleil ou du dernier âge avait été le produit du sacrifice de tous les dieux, d'abord deux, puis après ça, tous les dieux qui avaient donné leur sang pour permettre la marche du soleil et la marche de l'univers. Et donc, Jacques Soustelle, justement, notre cher Jacques Soustelle, était certainement sa grande contribution d'avoir compris et expliqué ce lien entre le mythe lui-même et la pratique du sacrifice humain, mais ça reste une justification.
La motivation, elle, était beaucoup plus d'ordre économique. Les Aztèques ont commencé à développer leur royaume, leur État, mais à un moment donné, ils avaient besoin de subsistance, de biens pour pouvoir nourrir la population qui était grandissante, et ils ont commencé à étendre leur territoire. Ils ont commencé à étendre leur territoire en allant faire des conquêtes dans l'avoisinage, etc. Et peu à peu, on a augmenté cette conquête pour pouvoir non seulement avoir des produits pour survivre, mais aussi avoir des produits de luxe, comme du coton, comme du cacao, comme de l'or, pour pouvoir légitimer ce pouvoir grandissant de l'Empire, parce qu'on peut dire des Aztèques qu'ils ont vraiment construit un empire, et aussi pour pouvoir entretenir cette classe dirigeante qui devenait de plus en plus importante. Alors là, le sacrifice, évidemment, c'était des gens qu'on ramenait de ces contrées, et qui allait être soumis au sacrifice de toutes sortes. Donc, quand on a, parce qu'on a fait des interprétations, il y a des anthropologues, il y a des archéologues, il y a un anthropologue qui s'appelle, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom en tout cas. Maurice Verger? Non. C'est pas Maurice, c'est Christian. Christian, c'était pas mal ce qu'il y avait. Christian, il a fait d'autres bêtises, mais en fait, ça, celle-là, non. Il a écrit un livre magnifique sur, ça s'appelle La fleur létale. Il y a toujours des titres merveilleux pour ses livres. La fleur létale, et c'était lui, il poussait à la limite, et c'est un étudiant de Jean Christel, Christian, de Verger, et donc il poussait à la limite cette notion d'énergie, c'est-à-dire que c'était vraiment le sacrifice, c'était vraiment pour fournir cette énergie, et puis on prenait le sang, puis l'énergie des guerriers, etc. C'est assez élégant et c'est encore assez acceptable. Depuis, il est tombé dans je ne sais pas quelle potion, mais c'est un peu autre chose. Non, Mike Harner, que vous connaissez sans doute, et qui lui avait proposé que c'était pour qu'on mangeait en fait les sacrifiés parce qu'il n'y avait pas assez de protéines dans la diète. C'était une époque où on faisait de la très mauvaise anthropologie écologique, l'écologie culturelle, c'était vraiment assez dramatique. Je l'ai connu, Mike Harner, il donnait des cours à Yale à un moment donné. Enfin, et travaillait sur le chamanisme d'ailleurs. Et ça, c'est une interprétation qui ne tient pas la route. D'autres, que c'était pour contrôler la population, qui ne tient pas plus la route parce que d'abord, il y a des protéines, ça, il n'y a aucun problème. Et puis en plus, il faut se souvenir qu'on ne sacrifiait pas les Aztèques. C'est-à-dire que les Aztèques, ils étaient sacrifiés, c'est quand ils se faisaient prendre ailleurs. C'est-à-dire que par la force des choses, les captifs servaient de sacrifice et on ne mangeait pas tous les gens qu'on sacrifiait, et généralement s'il y avait quelqu'un qui allait manger ses sacrifiés, ce serait certainement pas les pauvres, ce serait pas ceux qui avaient faim, ce serait plus les gens de l'élite. Alors donc ça, c'était pas une étincelle d'explication de pourquoi. Je pense pas qu'on y arrive vraiment. Je veux dire, comme je dis, c'est vraiment pour moi plus justifié par une idéologie et fait pour des considérations qui sont beaucoup plus d'ordre économique qu'autre chose. Économique, pas pour manger le monde, mais pour plutôt permettre d'entretenir ce système qui devenait de plus en plus élaboré. D'ailleurs, il y a un aspect connexe à ça, qui était celui d'avoir des guerres, ce qu'on a appelé la guerre fleurie, qui se produisait donc chez Tlaxcala,
les jolies vaisselles d'aujourd'hui, et donc qui était un arrangement entre les Aztèques et les gens de Tlaxcala qui étaient restés indépendants, une province indépendante, pour faire la guerre. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant. J'ai un article de dernier, je reviendrai peut-être pour la suite après dans un autre petit bout, mais il y a un article que je viens de publier sur ces sacrifices humains où je me dis, parce qu'on je pense pas qu'ils aient eu l'importance ou que la quantité des sacrifices ait été aussi importante qu'on a pensé qu'ils étaient. Les 20 000 et les 80 000 pendant 4 jours, ça n'a aucun sens. Même à ça, je pense que elle est là, la pratique, elle existe autant pour les Olmecs que pour les Aztèques. Il y en a tout du long. Mais j'ai voulu voir comment c'était représenté. Et cet article, donc, c'est un article où je parle de comment les Mésoaméricains, Mayas, Aztèques, ont représenté le sacrifice et comment les textes d'après la conquête le représentent. Soit parce qu'ils ont été faits par des Espagnols, soit parce que c'est des artistes indiens qui ont été formés à l'aide. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on passe vraiment d'une représentation presque analogique, métaphorique, à une représentation qui est narrative. C'est-à-dire que dans la première partie, on va représenter des croix des représentations qui sont beaucoup plus abstraites, alors que avec Sahagún, avec Duran, avec toutes ces personnes d'après la conquête, on a beaucoup plus d'effusion de sang, de personnes qui sont représentées, de l'acte du sacrifice du personnage qui tombe du haut de son qui est représenté, et donc on a vraiment une vision là qui Et bon, ben il y en a un autre que j'avais fait avant où j'étais obligé de revenir sur mes conclusions parce que j'étais devenue trop subjective et que j'étais revenue à cette idée que ça n'avait aucun sens de tuer tous ces gens au nom d'une idéologie, etc., etc. Avec ce qui se passe aujourd'hui, je me repose la question aussi de la continuité dans les pratiques culturelles et avec ces massacres, si vraiment c'est ce qui s'est passé au Guerrero, c'est vraiment quelque chose qui ressemble étrangement à des formes de sacrifice, mais d'une violence encore plus grande et qui coupe quand même avec la ritualisation des sacrifices de l'époque des Aztèques. Alors, je ne chercherai pas à interpréter ça, on ne sait même pas si c'est vrai. Mais il est certain qu'on trouve pas mal de charniers et qu'on trouve pas mal de photos dans les journaux quand on est au Mexique qui montrent l'espèce de rapport assez particulier qu'on a avec la mort et avec le sang.